Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il est pratiquement, s'il vous plaît, pratiquement 23h25, heure de l'Europe, précisément de la France. Voilà, shalom, et que Dieu vous bénisse pour ce direct. Voilà, que le Seigneur repose sa grâce sur vous. Le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de partager un message avec vous. L'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà, merci déjà. Connectez-vous et invitez des personnes à se connecter. Oui, Madame Hassan, que Dieu te bénisse. Connectez-vous et demandez aux gens de se connecter parce que c'est important. C'est important, vous allez recevoir des annonces de taille et des messages de taille. Voilà, connectez-vous, invitez d'autres personnes à se connecter. Le temps que vous écoutez le tout dernier prophète Joël Crasso. Voilà. Ouais. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Prophète Joël Crasso. Invitez les gens à se connecter. C'est important, connectez-vous, invitez des gens, invitez des personnes à se connecter. Invitez des personnes à se connecter. Je viens, shalom, je viens à peine me réveiller. Voilà. Je viens à peine me réveiller. J'ai fait une petite marche. Voilà, fais le sport, c'est vraiment important. J'ai fait un petit sport, c'est important de 30 minutes. C'est important de faire le sport. Et après, quand le Seigneur, pendant que je faisais le sport, le Seigneur m'a mis en cœur de parler à son peuple. Voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Connectez-vous, invitez d'autres personnes. Je tenais à dire shalom à l'équipe des États-Unis, donc en tête Ben. Je tenais à dire shalom, n'est-ce pas, demi-champion depuis l'Italie. Je tenais à dire shalom à toute l'équipe du Canada. Je tenais à dire shalom à l'équipe de Bruxelles, des États, qu'on appelle de, n'est-ce pas, de Belgique. Je tenais à dire shalom aussi à ceux de, n'est-ce pas, de l'Allemagne, de l'Espagne. Et à tous ceux qui sont révoltés contre les œuvres de la sorcellerie dans le monde entier, parce que c'est vraiment important que nous combattons tous ce fléau pour que l'Afrique non seulement soit libérée, le monde entier puisse expérimenter la puissance de Dieu. Voilà, donc shalom à vous. Voilà, shalom, shalom, shalom. Connectez-vous. Invitez d'autres personnes, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Tous mes amis, quel est bon Dieu. Veille sur vous, aïe, Coco, il est en haut. Le général Ludovic. Très bientôt ce clip là. Voilà, ça sera trop balèze. N'oubliez pas que le prophète aussi un chant, auteur, compositeur. Je suis maintenant producteur. J'ai été producteur de tous mes albums d'ailleurs. J'ai composé. J'ai aidé beaucoup de personnes à, n'est-ce pas, dans la composition de leurs morceaux. Ce début champion, n'est-ce pas, je l'ai aussi aidé, n'est-ce pas, parce que j'apportais mon soutien à beaucoup de personnes dans le monde musical. J'apportais beaucoup de soutien dans le monde musical. J'apportais beaucoup de choses à beaucoup de frères, n'est-ce pas, dans le domaine musical.
Voilà, donc je tenais à dire shalom à vous, que Dieu bénisse. Merci ceux qui viennent me prendre en ligne, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure. Recevez la grâce et la bénédiction du Seigneur chez vous. Recevez la puissance de l'Esprit de Dieu chez vous. Recevez, n'est-ce pas, la visitation de l'Esprit chez vous. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas aussi de pain seulement, et aussi de la parole de Dieu. Donc nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour cette rencontre solennelle au travers laquelle tu parleras chacun d'entre nous. Tu feras du bien, que la gloire te revienne. J'ai dit, le thème c'est l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. L'importance d'avoir le Saint-Esprit, l'importance d'avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ça c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Beaucoup de personnes oublient aujourd'hui l'Esprit de Dieu, la vie, la présence, la visitation et la puissance de Dieu dans leur vie. Les gens ignorent cette présence de l'Esprit et c'est très dangereux d'ignorer l'Esprit de Dieu en nous. C'est vraiment très dangereux. Donc l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu. Donc je tenais à dire merci à ceux qui sont allés. Je suis là bel et bien en France pour, n'est-ce pas, une tournée bien sûr européenne par la grâce de Dieu. Voilà qui démarrera. Je tenais aussi informé ceux de Bordeaux. J'arrive demain à Bordeaux. Bordeaux, les Bordelais, je serai demain à Bordeaux. Voilà, je prends mon vol ici demain soir et j'arrive à Bordeaux. Donc, je serai à Bordeaux demain mercredi soir. Demain mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, je rentre sur Paris. Ouais, bien sûr, pour commencer déjà des entretiens en privé dans les familles dont on commençait déjà. Parce que c'est important. Nous avons reçu l'ordre du Saint-Esprit de commencer ce programme. Donc, demain, je serai à Bordeaux. Voilà, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons aider les familles par la grâce de Dieu. Nous serons demain à Bordeaux, des familles qui ont besoin d'expérimenter la délivrance. Donc les Bordelais, je serai demain à Bordeaux. Voilà, demain soir à Bordeaux, je prends mon vol ici. Voilà, 20h, je serai 21h déjà à Bordeaux par la grâce de Dieu. Je ferai 3 nuits à Bordeaux, donc mercredi nuit, jeudi nuit, vendredi nuit. Donc nous prenons notre vol pour samedi et sur Paris. Et à partir de Paris, nous serons à Paris pendant peut-être 3-4 jours, justement pour préparer la croisade, le programme qui aura lieu à Vitry-sur-Seine, justement, et juste après, n'est-ce pas, nous allons revenir, n'est-ce pas, sur Lyon, par la grâce de Dieu, continuer pour le programme. Donc, je tenais à dire merci déjà pour les gens. Je ne suis pas sur Paris, je suis à Lyon, par la grâce de Dieu, et donc, je tenais à dire merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà en prière, qui prient déjà pour nous, pour cette grande croisade d'évangélisation. Voilà, donc, ce programme-là, c'est du 27 au 28, n'est-ce pas? Du 27 au 28 avril, d'ici 2 semaines, du 23 au 26 avril, du 27, du moins, du 27 au 28 avril à Vitry-sur-Seine. Nous attendons tout le monde par la grâce de Dieu, où il y aura la puissance de Dieu. J'ai dit, quand je prenais l'avion, j'ai senti qu'un manteau, tu vois. Quand Dieu vous envoie dans une mission, vous équipe, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas? Dans ma vie, moi-même personnellement, j'ai senti cette visitation de l'Esprit de Dieu quand je prenais l'avion. J'ai senti une onction particulière de la puissance de Dieu et pendant que je prenais l'avion. Dès que je suis descendu sur le sol français, pendant que j'étais en train de parler au sol français, j'ai senti un renouvellement, une force de puissance à point que ma main a tremblé, mes pieds ont tremblé. C'est pour dire... Ça serait vraiment puissant, un moment merveilleux que nous allons passer dans la présence de Dieu. Un moment où les gens vont expérimenter la gloire de Dieu. Un moment où, j'étais aussi à dire shalom à Nathalie depuis aussi Liège. Nathalie, la Camerounaise depuis Liège, que Dieu te bénisse. Voilà, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse encore. Madame aussi, Hassan aussi, depuis aussi Liège aussi, Dieu te bénisse. Merci déjà pour ceux qui sont là. Merci aussi à... N'est-ce pas, Sila? Voilà, Sila, n'est-ce pas, Sila Prosper? Que le Seigneur te bénisse aussi avec ton épouse et ta famille. Voilà, recevez la gloire de Dieu chez vous. Voilà, merci, que la grâce de Dieu vous visite davantage. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Voilà, que la puissance de Dieu, la Camerounaise Nathalie, reçoit la grâce de Dieu chez toi, reçoit la puissance de Dieu. Donc, je tenais à dire que la puissance de Dieu sera à l'œuvre, à point que les malades seront guéris. Cette rencontre, ce n'est pas une rencontre des enfants du prophète Grasso. Non. C'est vrai que nous sommes en comité d'organisation. Nous avons bien structuré selon l'ordre de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous a permis de structurer des choses de telle sorte que nous puissions nous mettre dans les différentes, n'est-ce pas, comités. Je tenais à dire shalom à Viviane Tré.
Voilà ma fille, merci Viviane Tré, shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse davantage. Ça sera fort. Ça sera très fort. La puissance de Dieu sera à l'œuvre. Et n'est-ce pas, les cancers, ceux qui ont les cancers seront guéris, les paralytiques seront délivrés. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Et pour qu'on annonce, Jésus a dit, si on vous demande, n'est-ce pas, pour les disciples de Jean-Baptiste, il dit, allez-y, dites ce que vous voyez. Frère, il faut qu'on doute. Jésus dit ce que vous voyez. Les paralytiques marchent, les sourds entendent et les aveugles voient. C'est ce qu'il a dit. Allez dire, rapporte aux gens, est-ce que c'est vraiment toi, Jésus-Christ, qui devait vraiment venir? Est-ce que c'est toi, Jésus? Est-ce que c'est toi, Jésus, qui devait vraiment venir? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en annonce, on dit aux gens que les paralytiques vont être guéris dans les miracles, dans les croisades? Pourquoi vous ne voulez pas? Attends, si tu n'as pas l'onction, ne banalise pas les annonces des gens. Parce que Jésus-Christ avait dit miracle. Jésus veut dire, équivaut à miracle et à délivrance. Au salut d'abord, délivrance, restauration. Jésus même dit aux disciples de Jean-Baptiste, et il lui pose la question, est-ce que c'est toi qui dois venir ou bien il y a quelqu'un d'autre qu'on doit attendre? Il dit, allez dire aux gens ce que vous voyez. Les paralytiques marchent. Alléluia. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent et les aveugles voient. Donc Jésus-Christ se résume en ça. Les miracles. Jésus-Christ se résume à la délivrance. Jésus-Christ se résume à la restauration. Donc les disciples sont allés dire, les disciples de Jean-Baptiste, ils doutaient encore de n'est-ce pas, du ministère de Jésus-Christ. Jésus dit, mais allez-y, dis aux gens ce que vous voyez. Voilà, il n'a pas dit, je suis venu prêcher seulement, il dit, allez dire aux gens ce que vous voyez. Vous voyez que les paralytiques marchent, n'est-ce pas, les sourds entendent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est prêchée au royaume. La bonne nouvelle du royaume est prêchée aux gens. Donc ça veut dire, Jésus-Christ même l'a dit, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà, donc Jésus-Christ veut dire, rencontrer Jésus-Christ veut dire, être délivré de sa situation. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et être la même personne, frère. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ. Cette rencontre avec Christ et la sorcellerie va encore être au rendez-vous dans ta vie. Ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Il faut que les disciples ont vu la puissance de Jésus-Christ se manifester et les disciples ont cru en lui. C'est quand Jésus-Christ a transformé l'eau en vin que les disciples ont cru en Jésus-Christ, qu'on cru en Jésus-Christ. Voilà, donc Jésus-Christ, la Bible dit que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Bon, Jésus-Christ, ce n'est pas, n'est-ce pas, du blabla. Voilà, quand on reçoit l'onction, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de cette puissance de Dieu qui se dégage au cours des programmes? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Vous pensez que non, ce n'est pas de la publicité en vain. Non, c'est pour dire, Jésus lui-même l'a dit, allez-y, dit. Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste qu'il doutait réellement poser la question, est-ce que c'est vraiment toi, Jésus-Christ, le Messie qui doit venir, ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment toi, le Messie? Jésus dit, allez rapporter aux gens ce que vous voyez. Les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est prêchée au royaume. Le royaume est prêché. Voilà, Jésus-Christ dit aux gens que c'est parce que c'est lui que les paralytiques marchent, c'est parce que c'est lui que les aveugles entendent, c'est parce que c'est lui que les muets parlent, et c'est parce que c'est lui que la bonne nouvelle est annoncée. La bonne nouvelle du royaume est annoncée. Et ça, c'est vraiment très important. On ne peut pas parler de Jésus-Christ sans la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de Dieu. Parce que Dieu se démontre dans la puissance. Dieu, c'est la puissance. Dieu se démontre. Regardez la création. Il a dit que la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu, il se démontre. Frère, on n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Dieu le découvre au travers de ses œuvres. Sans la puissance de Dieu, il est difficile de croire. Sans la puissance de Dieu, il est difficile même de se convertir. Nous pouvons nous convertir quoi? D'ailleurs, la conversion est un miracle. Le fait qu'une personne décide, n'est-ce pas, d'appartenir, de marcher avec le Christ, est un miracle. Est un miracle. Une personne décide aujourd'hui de marcher avec le Christ, est un miracle. Voilà. Mais en même temps, Jésus-Christ est apparu, la Bible dit, en fait, de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il dit, quand mon Père m'envoie, je vous envoie. Oui, et voilà, Jésus-Christ envoyait ses disciples aussi guérir les malades, chasser les démons. Voilà, les gens souffrent aujourd'hui, les gens souffrent. Ils sont sous l'emprise satanique. Ils ont beau attendu la parole de Dieu prêchée dans les églises. Ils sont assis 20 ans, 30 ans. C'est comme cette femme, pendant 18 ans, elle est assise dans une église, mais elle était courbée dans la synagogue. Lorsqu'elle a fait la rencontre de Jésus-Christ dans la synagogue, elle a été délivrée de cette présence des esprits qui la rendait courbée. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui sont courbés sous le poids de l'esprit. Parce que les gens, ils ont des grands sermons, ils prêchent très bien. Ils prêchent très bien, ils ont la parole de Dieu. Mais
Ils ont un seul problème. La puissance de Dieu ne se dégage pas dans ce qu'ils font. Et ce qui fait que les disciples, les gens de ces personnes qui les écoutent, qui sont dans les églises, ils sont encore sous la manipulation de la sorcellerie. Jésus-Christ, là où il est, la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. C'est pour ça que la Bible dit, il y a diversité de dons. Dieu, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, Dieu répand son don sur ses disciples. Il leur donne le pouvoir, n'est-ce pas, et donne la possibilité aux gens de manifester les dons. Voilà, il dit à chacun est donné la manifestation de par la langue. Au fur et à mesure, donc, Dieu donne des dons pour permettre aux gens de découvrir qu'il est Dieu. Ça, c'est clair. Sans ça, frère, on ne peut pas y croire la puissance de Dieu. Les gens ont besoin, dans un premier temps, de découvrir cette puissance de Dieu. Donne-leur cette possibilité. Donne-leur cette possibilité de voir Dieu se manifester. Arrêtez de dire, non, prêchez la parole. Nous prêchons la parole. Nous prêchons Jésus-Christ vivant, mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. Nous le prêchons. Nous ne prêchons pas Jésus-Christ qui est mort. Seulement mort, mais aussi ressuscité. Alors s'il est ressuscité, il est encore capable de faire ce qu'il a fait dans le passé. Ressusciter les morts, guérir les paralytiques, faire marcher les paralytiques, détruire le cancer dans le corps des gens, délivrer des gens qui sont sous l'emprise de l'envoûtement, de la sorcellerie. Jésus est capable de le faire. On ne va pas seulement qu'à l'église. Si Jésus-Christ n'opérait pas des miracles, moi, crasso, jamais j'allais croire. J'allais jamais devenir chrétien. Et ça, il le sait. Il a failli que Jésus-Christ se démontre A plus B à moi, frère, pour que je croie à la puissance de Dieu. Il faut que Dieu se révèle à vous. Alors cette rencontre, ne rate pas cette rencontre. Cette rencontre de Paris, frère, oh Jésus-Christ aura l'occasion de te guérir, aura l'occasion de te délivrer. Sans toutefois me répéter, je disais comme ça, demain déjà nous démarrons une mission sur Bordeaux. Bordelais, les gens de Bordelais, une bonne nouvelle est annoncée. Nous allons aider une famille bien sûr, mais nous annonçons aussi ma présence aussi à Bordeaux à partir de demain soir. Je serai à Bordeaux à partir de demain soir à Bordeaux. Et la nuit de jeudi, je serai encore à Bordeaux, vendredi. Voilà, je pars pour une famille. Donc, on aura l'occasion de recevoir certaines personnes par la grâce de Dieu. Ce n'est pas mauvais de recevoir aussi certains enfants spirituels qui vont vouloir entrer en contact avec leur père spirituel. Voilà, donc, nous serons de retour sur Paris le samedi. Samedi, nous serons à Paris. Et nous allons commencer déjà des visites à domicile parce que c'est important. Voilà, c'est important. Et nous, après ça, revenir encore, n'est-ce pas, revenir pour le grand programme de vitrine 6-7 à partir du vendredi. Vendredi 28, le samedi 29. Et je tenais à dire que ce n'est pas une question de programme des enfants spirituels de prophètes. Non, ce programme-là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont en Italie, tous ceux qui sont en Londres, tous ceux qui sont... D'ailleurs, une forte délégation déjà arrive de Londres par rapport à ce programme. Une forte délégation arrive de Danemark par rapport à ce programme. Une forte délégation arrive, n'est-ce pas... une forte délégation arrive de Danemark, de Suède, de toute l'Europe, une forte délégation arrive du Canada, une forte délégation arrive aussi, n'est-ce pas, des États-Unis, une forte délégation arrive de tous les pays européens, dans le monde entier, pour participer à ce grand programme de taille où Jésus-Christ aura raison de te délivrer, de te restaurer, frère. Voilà, donc, je vais toucher le thème d'aujourd'hui, l'importance d'avoir, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, ce sera vraiment difficile, de, n'est-ce pas, d'avancer. Voilà, donc regardez, la Bible dit, Jésus même dans Actes des Apôtres, nous allons lire, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1. Écoutez très bien, que le Seigneur vous bénisse déjà pour ceux qui sont en ligne. L'importance d'avoir le Saint-Esprit en nous, il faut que tu aies le Saint-Esprit, c'est un impératif. Il faut que chacun d'entre nous soit visité par la puissance de Dieu. Il faut que chacun d'entre nous soit rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut que chacun d'entre nous soit visité. Acte, le chapitre 1, à partir du verset 8. Acte, le chapitre 1, à partir du verset 8. Et vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, donc Jésus-Christ, avant de partir, va parler à tes disciples. Il dit, vous allez recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, là où tu es né, Jérusalem, là où tu as commencé, là où tu es né, Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoigner de la puissance de Dieu. Vous savez, quand nous recevons Jésus-Christ, quand nous recevons le Saint-Esprit, d'ailleurs, quand on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette condition-là est donnée par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te rend compte, te donne cette condition pour dire, ah, toi, tu es enfant de Dieu. Et tu es convaincu que tu es enfant de Dieu. Tu es convaincu que tes péchés sont pardonnés. Ça, cette conviction que tu reçois là prouve qu'il y a la présence. Quand tu doutes encore de ton salut, ça veut dire le Saint-Esprit est absent. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta vie. Il y a des gens, tu vois leur bol prêcher, ils doutent encore de leur salut. Ils pensent que, qu'ils sont encore pécheurs. Ils voient. Non. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devez croire que Dieu vous a pardonné. Vous devez croire. Voilà. Et que Dieu a mis tous ses péchés dans la mer d'oubli. Voilà. Donc, ne pensez pas que Dieu joue avec vous. Non. Dieu appelle des pécheurs. Il n'a pas appelé des justes. Dieu a affaire à des pécheurs. Donc, il faut d'abord croire dans un premier temps que Jésus-Christ a affaire à des pécheurs que nous sommes. Voilà, c'est clair. Jésus-Christ a affaire à des pécheurs que nous sommes. Donc, dans un premier temps, Dieu aimerait que le péché que tu es, tu puisses, n'est-ce pas, te repentir. Alors, quand tu l'acceptes, parce qu'il dit, c'est lui qui convainc. Ce n'est pas quelqu'un. Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Donc, le fait de recevoir l'Esprit de Dieu dans ton cœur, le fait de recevoir, n'est-ce pas, cette conviction, de croire que tu es pécheur et que tu as besoin de Jésus-Christ, ce n'est pas, ça ne vient pas de toi, mais plutôt cette conviction vient de l'Esprit de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit, il t'a convaincu. Donc, en même temps que Dieu t'attire, il te donne cette capacité de croire que tu es pardonné. Et puis, tu dis, il te rassure que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est la plus grande étape. C'est une grande étape de la conversion. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre étape très importante, c'est être rempli de la présence de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. Alors quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cette personne, elle a envie de témoigner de Jésus-Christ. Amen. Elle a toujours envie de parler de Jésus. Elle n'a pas honte. Vous savez, quand l'apôtre Pierre il était avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? À un moment donné, il avait l'Esprit de Dieu. Dieu les envoyait à Jésus-Christ, les envoyait en mission pour délivrer, pour restaurer la vie des gens. Et puis à un moment, devant une pauvre table, l'apôtre Pierre a eu peur. Il a renié Jésus-Christ devant une pauvre femme. Il a renié à plus de deux fois. Et troisième fois, le coq a chanté. Vous voyez? Donc, il ne comprenait pas lui. C'est ça l'important, le mal qu'on n'est pas rempli de l'Esprit. Et après ça, il s'est repenti, il a pleuré. Et n'est-ce pas, il a pleuré. Et quand Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Deux, trois fois, il dit, mais Seigneur, n'essaies-tu pas que tu m'aimes? Il dit, Père, mon troupeau. Donc, Jésus-Christ l'a racheté, Jésus-Christ l'a pardonné à Pierre parce que Pierre l'avait renié. Mais à un moment, dans la chambre haute, il y avait Pierre, même la mère de Jésus-Christ était dans la chambre haute quand les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue, c'est ça, c'est vraiment très important parce que quand on reçoit la plénitude du Saint-Esprit, il y a un signe que le parler en langue, on a cette capacité de parler dans les langues étrangères. Voilà cette capacité, la langue des anges, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Les gens pensaient qu'ils étaient tous ivres. Voilà, donc je vais faire cette lecture. On dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparer les uns des autres. C'est le baptême du feu, bien sûr, le Saint-Esprit du feu. Chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. D'autres parlaient, tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait d'exprimer. Amen. Selon que le Saint-Esprit leur donnait d'exprimer. Le verset 5, or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux, au bruit de la multitude. Donc les gens sont venus pour. Et ils pensaient que les gens étaient ivres. Voilà, au travers de ce qu'ils faisaient, ils pensaient qu'ils étaient. On dit qu'ils étaient tous étonnés, surpris, qui disaient des uns aux autres, mais donc qu'ils parlaient dans les langues étrangères, tout ça. Les gens pensaient que les gens étaient ivres. Alors l'apôtre Pierre, le verset 14, alors Pierre se présenta avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes frères, hommes juifs, et où tous séjournaient à Jérusalem, sachez que, prêtez l'oreille à ces paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Voilà. Il dit ces gens ne sont pas ivres. Il va commencer à le prêcher. Ces gens ne sont pas ivres. Mais il a dit, mais c'est ici qu'est ainsi la prophétie de Joël. Le verset 17, il dit,
dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toi aussi, qui m'écoutes. La Bible dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et donc, tu es concerné par cette prophétie. C'est toi aussi qui es concerné. Tu as besoin d'une visitation de l'esprit. Il dit, la prophétie de Joël dit, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sans exception. Donc, tu as besoin d'expérimenter cette présence de l'Esprit de Dieu. Là, il a dit, toute chair, toute chair, toute chair. Frère, tu fais partie de toute chair. C'est toi, ça, toi qui concernes cette prophétie. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront cette capacité de parler de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement ainsi par l'Éternel, mais parler de la part de Dieu, avoir le don de sagesse. Il y a des gens, quand ils s'expriment, quand ils commencent à s'exprimer, tu es convaincu qu'ils sont possédés. Tu es convaincu qu'ils ont des esprits mauvais. Tu es convaincu qu'ils ont un mauvais esprit. Mais il y a des gens qui commencent à parler, tu as l'impression que c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu es tellement content, tu trouves la solution à ton problème dans ses dits. Tu parles avec eux, tu me dis, attends, le monsieur, dès qu'il connaissait mon problème, mais il n'est pas un prophète, il n'est pas un pasteur, mais il te donne, n'est-ce pas, il est animé d'un esprit de sagesse, il te parle comme s'il avait, n'est-ce pas, parce que Dieu l'utilise pour te parler. Frère, j'ai toujours dit aux gens, si une bouteille ou un tuyau le bois, et puis un verre te parle, ainsi parle l'Éternel, tu vas fuir. Ou bien tu vas ouvrir le frigo, et puis on dit, c'est moi le Seigneur. Tu te parles, là, tu vas laisser l'eau. Frère, tu vas bourrir pour laisser le frigo pour courir. Donc Dieu parle au travers des gens, frère. Dieu parle au travers des gens. C'est pour ça qu'il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Les gens ignorent le Saint-Esprit, mais c'est la troisième personne de la Trinité. Qu'elle est dans ta vie, n'est-ce pas? Regardez l'apôtre Paul qui avait régné Jésus-Christ. Quand on a le Saint-Esprit, on n'a plus peur. Les gens, non, ils ont cette frayeur, ils ont cette peur parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ont cette peur parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit nous amène à braver certaines choses. Le Saint-Esprit nous pousse, n'est-ce pas, affronter les difficultés. Le Saint-Esprit nous amène à avoir foi à la puissance de Dieu, avoir foi à la parole de Dieu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, sauf cela que vous avez, n'est-ce pas, vous avez peur. Oui, les gens ont peur d'aller dormir seul. Il y a d'autres même, tant qu'il n'y a pas la lumière, ne dort pas. Moi-même là, c'est dangereux de dormir sous la lumière. Ouais, les Japonais disent même, quand quelqu'un dort sur la lumière, son cerveau travaille. Ce n'est pas faux. Donc, pour bien se reposer, il faut éteindre la lumière. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour d'eux. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Frère, ils ne peuvent pas. Ou même, ils ne peuvent pas dormir seul. Il a oublié de prendre un enfant de 2 ans pour aller dormir dans le lit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il n'est pas dans ta vie. Il a peur. Un gaillard, un monstre, avec un bébé de 2 ans. Il faut qu'il dorme avec le bébé. Parce que s'il n'y a pas le bébé, il ne peut pas dormir. Tu as quel problème, frère? Le bébé peut te faire quoi? Non, mais le bébé là, au moins, j'ai une présence. Vous voyez, donc ça veut dire, il est convaincu que quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu as peur. Tu as peur de rentrer. Il y a des gens qui ont peur de rentrer dans la chambre. Il y a quoi dans la chambre, frère? Il a peur de rentrer dans la chambre. Il y a des gens, il faut que quelqu'un marche avec lui, vienne dans la chambre. Sinon, il ne rentre pas seul dans la chambre. Mais c'est quelle pensée, ça? Donc, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu n'as plus peur. C'est pour ça qu'il faut que tu sois rempli. L'apôtre Paul, Pierre dit, il dit, dans les derniers jours, Acte 2, le chapitre 17, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toi qui m'écoutes ce soir, pendant que tu es en train de m'écouter, je prie que le Saint-Esprit te visite et que Dieu te remplisse de son esprit et que la présence de Dieu soit totale dans ta vie, frère. Il dit, Dieu, dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles, vos filles prophétiseront. Vous voyez, ils vont parler de la part de Dieu. Prophétisons, c'est parler de la part de Dieu. Et dis ce que Dieu inspire. Donc, vous devez être un instrument de Dieu partout dans ton service. Vous voyez, la Bible déclare, dans la vie de Joseph, Joseph avec l'Esprit de Dieu en lui. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. En même temps, il a donné cette capacité d'expliquer le son qu'il avait fait les chansons. Et en même temps, les chansons, il explique le son. Quand les chansons se souvenaient de lui, il l'a envoyé devant le roi qu'on appelle le pharaon. Il a donné cette capacité d'expliquer. Parce qu'il y a des gens qui ont un problème. Ils expliquent les problèmes qui sont là, mais ils n'ont pas de solution.
Donc l'apôtre qu'on appelle Joseph, il a même temps, il avait ce don-là. Il explique le problème, il apporte la solution. Il explique le problème. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous donne, n'est-ce pas, cette manière de comprendre, la capacité de comprendre des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir, il développe votre faculté intellectuelle. Il vous permet de comprendre des choses. Il dit, quand l'Esprit de Dieu sera venu, il vous éclairera sur des choses. Quand on a le Saint-Esprit en nous, il nous éclaire sur des choses. Dans ton service, que quelqu'un vient te laver, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir ça. Il dit ici, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Mais la vision, ce n'est pas seulement dormir et voir des rêves. La vision, c'est une capacité de voir dans le futur, de comprendre des choses. Vos jeunes gens auront des visions. C'est pour ça que quand il faut avoir le Saint-Esprit, il y a des gens, tu vas parler avec Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils pourront faire demain. Ils ne savent pas. Ils n'ont même pas cette capacité de comprendre ce qu'ils pourront faire. Moi, je me suis levé un matin, le Seigneur, vous savez, j'ai travaillé le Saint-Esprit. Vous savez, c'est important d'avoir le Saint-Esprit en vous. C'est important. Je devais monter une affaire avec des parents, des connaissants. Un matin, j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me dit, non, si tu commences une affaire avec lui, ça ne va pas marcher. C'est vrai que tu as cette connaissance-là de pouvoir faire, mais tu ne peux pas faire ça avec lui. Tu ne peux pas faire ça. Vous savez, le Saint-Esprit, si tu commences avec lui, ça va chouer. J'ai dit, mais je peux prier pour lui. Il dit, non, tu n'es pas appelé à faire cette affaire, ce n'est pas toi qui dois monter cette affaire. Donc, c'est comme ça. Et quand je montre sur ma structure, je me lève le matin, le Seigneur m'enseigne sur tout ce que je dois faire, sur tout ce que je devais faire, n'est-ce pas, par rapport à ma structure. Voilà, donc, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous donne cette capacité de voir des choses. C'est pour ça qu'il faut prier, frère, d'avoir le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ils n'ont pas cette vision du futur, des choses qu'ils doivent faire. Parce que le Saint-Esprit, quand il est en toi, il peut donner cette capacité de pouvoir monter des affaires, cette capacité de montrer des affaires. Monter des affaires, et ça c'est très important, cette capacité de rentrer dans le monde des affaires. Il peut t'éclairer, fais ça, je veux que tu fasses telle chose, je veux que tu aimerais que tu fasses ça, je aimerais que tu partes là, tu fais comme ça, ceci. Donc le Saint-Esprit, il a cette capacité de vous révéler les choses les plus cachées, ils auront des visions, n'est-ce pas? Amen. Ça c'est vraiment très important. Amen. Et quand le Saint-Esprit en toi, comme je disais, il est dans cette capacité d'avoir le discernement des opportunités. Voilà. Tu te donnes la possibilité de dire, il te parle, de dire telle personne, ouais, c'est cette personne qui te faut. Et c'est cette personne qui te faut. C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Je me lève le matin, je monte ma structure, Dieu me dit, non, fais ça. Le Saint-Esprit me dit, fais ça. Le Saint-Esprit me dit, fais ça. Le Saint-Esprit me dit, non, c'est cette personne qui te faut. Il te faut ça. Mais donnez la possibilité au Saint-Esprit de vous parler, frère. Il faut, parce que vous pouvez vous associer des personnes qu'il ne faut pas. Vous associez des personnes qu'il ne faut pas. Voilà, moi je suis prophète, il y a des choses où le Seigneur me dit non. Et puis il dit non, je peux prier, il dit non, tu ne peux pas parce que ce n'est pas la personne qu'il faut. Ce n'est pas la personne qu'il te faut. Parce que le Saint-Esprit parle. Vous allez me dire, mais comment il parle? Il y a ce qu'on appelle l'intuition, il peut te parler, c'est une voix intérieure. Il te parle d'une voix, une voix intérieure qui donne cette conviction. Voilà, tu dis non. Vous voyez, tu as dit, cette voix-là te parle. Tu as dit, tu as l'impression souvent... sa voix te dit non, ça te dit non, ne fais pas à lui, non, ça te dit non, non, puis ça persiste, non. Pour ceux qui sont habitués à l'Esprit de Dieu, ils savent bien distinguer la voix de Dieu. C'est très important de savoir distinguer la voix de Dieu et celle du diable. Voilà, et moi je suis déjà habitué à la voix de Dieu, donc je sais si c'est le diable ou bien Dieu qui me parle. C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit en vous. Voilà, quelqu'un peut venir comme ça, le Saint-Esprit dit non, c'est pas lui, c'est pas la personne qui te faut, c'est pas cette femme qui te faut. Il faut que le Saint-Esprit vous parle, frère. Il y a des gens qui viennent dans le ministère, mais en même temps le Saint-Esprit me révèle leur vie pour dire non, c'est un moment donné, non, c'est pas lui qu'il faut à telle place. Souvent ça choque les gens, mais non, écoutez, mais non. Le ministère, Dieu me l'a confié, Dieu confie le ministère à qui il veut. Dieu confie son ministère à qui il veut et puis Dieu donne cette capacité de pouvoir travailler avec qui lui veut, aimerait qu'on travaille. À un moment donné, le Seigneur me dit non, c'est pas lui-là qui doit diriger ton ministère. C'est pas lui-là qui doit être à la tête de ton ministère. Non, avec telle personne. Parce que charnellement dans la chair, on voit la capacité de cette personne. On pense qu'elle est intelligente, bien sûr, parce que déjà elle a des preuves. Et fait ça. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit dit non, c'est pas cette personne qu'il te faut. Comme Dieu a dit à Abraham, non, ne marche pas à l'autre.
Non, peut-être que la personne, elle est meilleure dans son domaine, mais pas avec toi. Dieu ne m'aimerait pas que tu viennes avec elle dans ton ministère, dans le ministère, parce qu'elle n'est pas utile. C'est ça qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Frère, souvent quand on marche selon l'Esprit de Dieu, ça fiche d'autres personnes. Mais la Bible dit qu'il ne vit pas selon la chair, mais de vivre selon l'Esprit. Donc, quand vous marchez selon le Saint-Esprit, il vous donne cette capacité de vous exprimer, c'est-à-dire de parler de la part de Dieu. Quand vous exprimez, mais textuellement, moi quand je fais des réunions, je fais des réunions avec les gens, mais les gens me sont étonnés. Dans mon entreprise. Mais parce que donc, cette capacité d'avoir la sagesse, le don de sagesse, nous donne la capacité de s'exprimer avec ce don-là, de parler avec le don de sagesse. C'est ça. Donner cette capacité de voir et d'avoir le discernement. Parce que l'être humain, il est hypocrite. L'être humain, là, frère, l'homme même, là, dans sa nature, il est hypocrite sans Dieu. Donc la personne peut sourire à toi. Et puis dans son cœur, c'est des problèmes, des difficultés. C'est ça la nature humaine. Donc, la personne peut faire semblant d'être avec toi. Et comme elle n'a pas l'Esprit de Dieu, le diable peut l'animer pour pouvoir détruire ton ministère. Sauf cela que, frère, il faut écouter une chose. Marche avec les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Marche avec les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Il faut écouter le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas faire de dégâts. Il faut écouter le Saint-Esprit. Tu iras très loin. Et sauf cela que c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Comme je disais, Jésus dit, vous serez mes témoins. Et donc, à l'Esprit de Dieu, il est témoin de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit parle de Jésus, qui n'a pas peur de parler de Jésus. Il n'a pas peur de parler de Jésus. Il y a des gens qui ont peur d'aller au village pour parler de Jésus. Quand ils sont quelque part dans leur service, ils ont peur. Ils ont peur même de montrer la Bible. Non, vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Judée. Vous serez mes témoins dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. L'accomplissement de la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Quand on a le Saint-Esprit, on est témoin de Jésus. On ne va pas avoir peur de parler de Jésus-Christ. On ne doit pas avoir peur de parler de Jésus-Christ. Non, on ne doit pas avoir peur de parler de Jésus-Christ. Vous rencontrez une personne, parlez-la de Jésus-Christ. Montrez-la que Jésus-Christ, elle a besoin d'avoir le salut, Christ, de salut. Sans Jésus-Christ, elle n'est rien. Et si tu as peur, savez que le Saint-Esprit est absent de ta vie. Le jour où tu as peur de parler du Saint-Esprit, de Dieu, c'est que l'apôtre Paul, le Pierre avait peur, mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et cette peur l'a mené à régner Jésus-Christ. Ceux qui ont régné Jésus-Christ, ceux qui auront de parler de Jésus, n'est-ce pas, n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Combien sont ceux qui parlent de Jésus en longueur de journée? Combien sont ceux qui parlent de Jésus-Christ dans les lieux de service? Vous êtes combien qui parlez de Jésus-Christ? Parce que la Bible dit que nous allons aller, il fait de nous les témoins. Il y en a combien qui parlent de Jésus-Christ? Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas un lieu approprié pour parler de Jésus-Christ. Mais dis à certaines personnes que Jésus l'aime. C'est suffisant. C'est une sémence que tu mets dans le cœur de cette personne et Dieu fera s'aimer. Ce n'est pas toi qui attire vers les gens. Mais parle. Dieu veut que tu... Parce que ce n'est pas une bouteille qui va parler à ton collègue. N'est-ce pas? Ce n'est pas la porte qui va parler à ton collègue. Ce n'est pas ton patron parce qu'il est possédé. Mais c'est toi l'instrument de Dieu dans ton service. Dieu a besoin de toi pour parler de Dieu. Alors si tu ne parles pas de Christ, ça veut dire un d'abord que tu existes. Le fait d'hésiter, le fait que ça ne t'anime même pas, ça ne te traverse même pas l'esprit. Tu peux parler de tout sauf de Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est absent dans ta vie, bien aimé. Le Saint-Esprit est absent. Vous êtes assis près des gens, vous savez que ces personnes iront en enfer sans Christ et vous ne parlez pas de Jésus-Christ. Vous parlez de tout, sauf de réinviter, à connaître, expérimenter. C'est pour moi, tu vas me dire non, je ne suis pas comme le prophète Grasso qui connaît tel verset. Ce n'est pas une question de verset. Dis à une personne, ma collègue, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Ça va la choquer, mais c'est une sémence que tu as sémée dans son cœur. C'est une sémence que tu as sémée. Fais ça en longueur de journée. Fais ça, frère, dans ton service, là où tu pars. Si tu as peur, demande au Saint-Esprit de te remplir. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez rempli du Saint-Esprit. À peine vous parlez de Jésus-Christ à vos enfants. À peine vous priez avec eux. À peine vous leur parlez de Jésus-Christ. Vous avez peur de parler de Jésus-Christ. Dans des pays où les lois sont bizarres. C'est quelle culture où un enfant a droit sur son père et ses parents. Et ce sont là qui sont les donneurs de leçons. Un homme se marie à un homme. Vous savez où vous voulez donner la leçon aux Africains? Les femmes se marient entre les femmes. Vous voulez donner le moral. C'est vous qui dites aux gens, pour pas les Africains vont avoir beaucoup d'enfants. Et pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire des enfants. Vous êtes des PD. Mais excusez. Vous ne pouvez pas donner des... Non, attends. L'homme qui tira ça. Non, un homme a besoin de vivre avec une femme.
et la femme avec un homme. C'est ça le principe de Dieu. N'exilons pas cette loi. Un enfant doit obéir à ses parents. Et le père doit, n'est-ce pas, corriger son enfant s'il est désobéissant. Pourquoi vous êtes toujours contre nature en train de s'opposer à la loi de Dieu? Pourquoi? Vous opposez toujours la loi de Dieu. C'est quoi ça? Vous êtes étonné que vos enfants deviennent djihadistes aujourd'hui? Parce que vous ne maîtrisez pas vos propres enfants, vous ne les maîtrisez plus. Vous ne les maîtrisez même plus, c'est la nature, c'est l'école qui les éduque, parce qu'on leur montre leurs droits, c'est quels droits ils ont. La vraie éducation, c'est celle qui s'est pratiquée à la maison. Donc, invitez vos enfants, écoutez la parole de Dieu, donnez-leur cette possibilité d'être éduqués par le Christ. Le Saint-Esprit est capable de le faire, parce que le monde sème des conneries dans la tête des enfants. Le monde sème des conneries dans leur tête. Ils viennent, mais c'est le monde qui les éduque. Ou à peine, vous leur donnez à peine, vous ne pouvez pas parler à un enfant. Parce qu'on dit qu'il a un droit. Quel droit il a? Tu as l'impression que tu mets un enfant au monde et c'est d'autres personnes qui l'éduquent, c'est la rue qui l'éduque, c'est l'instituteur qui l'éduque, tu as affaire à lui, mais ils vont venir t'arracher tout l'enfant. Et tu es étonné que son enfant devient pédé des mains. Je ne suis pas contre vos conneries, mais Dieu condamne cette pratique. Et c'est cela que moi aussi je la condamne avec la toute dernière énergie. Je la condamne aussi. Et c'est vous qui donnez la leçon aux Africains. Non, il ne faut pas avoir fait assez d'enfants. Mais ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Que Dieu nous aide. Vous dites, invitez vos enfants à écouter la parole de Dieu. Invitez vos enfants à écouter la parole de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit, frère, il nous donne cette capacité de ne pas avoir peur. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous rend très éloquent. Il vous donne cette possibilité de convaincre les gens. C'est, ouais, il faut avoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Pas avoir peur. Je m'adresse à toi. N'aie pas peur de parler de Jésus. Si tu ne peux pas, tu as peur, demande au Seigneur de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Tu es footballeur, tu n'as même pas peur, tu ne veux même pas parler de Jésus. À peine même, tu oublies même de prier. Ça veut dire que j'ai un souci. Regardez ce que David dit. Quand vous lisez le psaume 51, quand vous lisez un peu le psaume 51, vous allez comprendre la parole de Jésus-Christ. Oh là là, il nous faut le Saint-Esprit dans votre vie. Il nous faut le Saint-Esprit dans notre vie. Ceux qui veulent, ceux qui sont d'accord avec le Saint-Esprit ce soir, que je vais être rempli, levez la main seulement. Je vous dis déjà que je suis en direct sur mon compte Facebook et cette vidéo sera, n'est-ce pas, sur mon YouTube. Levez simplement la main et vous allez voir la puissance de Dieu. Voilà, le Saint, si tu es d'accord, lève simplement ta main. Parce que oui, tu mets j'aime. Et je suis d'accord, je veux recevoir le Saint-Esprit. Écrivez, je veux recevoir le Saint-Esprit. Si tu es là, tu peux écrire, je veux recevoir le Saint-Esprit. J'invite le Saint-Esprit dans ma vie. Voilà, écrivez seulement ça. Écris seulement ça, je veux recevoir le Saint-Esprit dans ma vie. Oh, écris seulement, je veux recevoir le Saint-Esprit dans ma vie. Et ça, c'est très important. Voilà, écrivez, je veux voir tout le monde, ceux qui sont d'accord avec, mettez à main, je veux maintenant recevoir le Saint-Esprit. Voilà, je veux recevoir le Saint-Esprit dans ma vie. Voilà, je veux recevoir le Saint-Esprit. Voilà, je veux recevoir le Saint-Esprit. Nous disons le psaume. Nous allons dans le psaume 51 à partir du verset 13. Le psaume 51, le verset 13, on dit, David dit, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. David a compris. Vous voyez, donc, la chose qui peut nous éloigner du Saint-Esprit, frère, quelqu'un qui pense qu'il est chrétien, il est dans tous les bars. Toi, tu dis que tu es chrétien. C'est toi qui es dans les bars. Tu es dans des bars. Tu es dans les bars, frère. Tu smokes, tu fumes. L'Esprit de Dieu en toi, tu penses. Tu fous quoi dans les bars, frère? Tu fous quoi dans les bars, frère? Tu fous quoi dans les bars, frère? Et après ça, pour dire non, un homme de Dieu a prié pour moi, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu comment? Vous pensez que quoi, c'est de la magie? Tu n'as pas de part à faire? Tu n'as rien à faire. On doit prier pour toi et toi,
tu dois te pavaner, c'est-à-dire toi tu es dans le péché, tu vas vivre comme tu veux. Non, frère. Le jour où tu feras des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu va s'hériter de toi. Lorsque Nathan est venu parler du péché qu'a fait David, du coup David dit, ne me rejette pas loin de ta femme. Le jour où tu te retrouveras dans les bars avec des prostituées, avec des délinquants, des hommes sans Dieu, en train de fumer, en train de boire, de n'importe quoi, de parler des choses du monde, l'Esprit de Dieu te quitte. D'abord, Dieu même va t'abandonner d'abord. Il t'abandonne d'abord. Dieu t'abandonne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient pour eux, ils ne sont pas bénis. Non, pas parce que l'homme de Dieu, on n'a qu'une force. Nos prières sont toujours exaucées, mais la Bible dit, non, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure, pour entendre, nous, ta main sont dures, mais ce sont vos péchés qui nous séparent de lui et qui l'empêchent de vous écouter. Frère, regarde ton comportement. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus fragile. Quand tu te retrouves dans un endroit où Dieu n'est pas, il te quitte, mais Dieu ne peut pas t'accompagner, frère. On dit, Dieu, il est avec nous partout. Il n'y a pas un endroit. Mais le jour où tu mets les pieds dans un bar, en train d'embrasser des prostituées, bois, Dieu se retire. Parce qu'il ne peut pas t'accompagner là-bas. Et là où Dieu ne sera plus avec toi, frère, tu es livré à la mort. Tu es livré à la mort. C'est la catastrophe, frère. Si Dieu n'est plus avec toi, tu cherches quoi? Non, je suis allé là-bas, j'ai été attaqué. Mais on doit t'attaquer, frère. On doit te manger. Commencer par les narines. Moi-même, je veux que les sorciers mettent ton nez d'abord. Qu'on en ait ton nez. Qu'on en ait tes yeux. Comme on met les yeux de poulet. Souvent, c'est doux. Pour les poulets, là, qu'on met tes yeux. Parce qu'on parle, un homme l'écoute. Et puis maintenant, qu'on tire tes oreilles. Plein de sauterelles à l'intérieur. Maintenant qu'on tue ta langue comme langue de bœuf, le sorcier va manger ça. Ne t'éloigne pas. Il dit ici, psaume 51, le verset 13 dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas. Parce que, écoute, si tu vas dans un endroit chez les marabouts, si tu vas chez les marabouts, Dieu va te rejeter. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu fais des choses qui ne glorifient pas, Dieu va te rejeter. Ça y est. Il est allé dans les conneries. Il n'a pas obéi à Dieu, mais Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu te rejette, il te livre à tes ennemis, frère. C'est pour cela que depuis ton foyer, ça ne va plus. C'est pour cela que depuis dans ton travail, ça ne va plus. Parce qu'à un moment donné, tu as abandonné Dieu. Et Dieu s'est retiré de toi. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ouais, Dieu s'est hérité de toi. Il s'est hérité de toi, frère. Il dit encore, ne me retire pas ton esprit. Ça, c'est intéressant. Parce que quand tu feras des choses, comment quelqu'un dit, là, le Saint-Esprit en lui, il smoke, tu fumes, tu as mes cigarettes. Guédi, c'est le Saint-Esprit. Ah, frère. Mais comment prenez le Saint-Esprit? Comment prendre le Saint-Esprit? Ces cigarettes, tu vas prendre. Si le Saint-Esprit, il est là. Mais c'est fini. Comment le Saint-Esprit va te parler? Comment tu auras des visions? Comment tu auras, n'est-ce pas? Comment il pourra t'éclairer? Parce qu'il est absent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir. Et les gens. Parce que le Saint-Esprit est absent de ta vie. Il est absent de ta vie. Pour qu'on ignore le Saint-Esprit. Pour qu'on joue avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi, frère? Pourquoi, frère? On prie pour toi depuis, on ne voit pas de miracles. Parce que tu n'obéis pas à la. Tu négliges le Saint-Esprit. On finit de prier pour toi, on finit tout. C'est toi qui vas dans les conneries. C'est toi qui es chez les prostituées. C'est toi qui es chez les marabouts. C'est toi qui est en train de désobéir à Dieu. C'est toi qui fais des conneries. Comment Dieu peut te bénir, frère? David dit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton esprit saint. Quand le Saint-Esprit est retiré de toi, frère, tu échoues dans tes projets parce qu'il ne peut plus te parler. Il fait un projet, ça échoue. Ton projet échoue. Ton projet, tu fais un projet, ça ne marche pas. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit doit t'éclairer. C'est pour cela que, frère, quand vous parlez, vous êtes en train, parce qu'il y a des gens qui ont maîtrise ou doctorat en critique,
dans un endroit où on parle pas bien, il faut quitter là-bas. Il faut te retirer. Il y a des gens, ils vont, tu vas, tu reviens, aucune croissance spirituelle. Ils sont jamais grands. Jamais de changement dans leur vie. Vous rencontrez toujours des gens bizarres. Le Saint-Esprit doit vous parler. Il doit vous parler, il doit vous expliquer des choses. Ce soir, il faudra que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit dans ta vie. C'est parce que le Saint-Esprit était attristé dans ton cœur. Parce qu'on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est attristé dans ton cœur qu'aujourd'hui, il ne t'ouvre pas les yeux sur les opportunités. Il ne te parle pas. Frère, dans le Saint-Esprit en toi, il te donne cette force de buffle pour affronter le danger. Quand le Saint-Esprit en toi, quand tu veux commettre un péché, il t'amène à regretter pour dire, ah non, je n'ai pas envie de faire ça. Parce qu'il te met, il te donne cette capacité, frère, de t'éloigner du péché. Il te donne cette force de résister pour dire non. C'est ça, le Saint-Esprit dit, non, ne fais pas mon fils, ne va pas là-bas. C'est quand tu as un esprit de démon, de possédé, que chaque jour, c'est la cigarette, c'est un démon. L'alcool, tu es toujours là en train de boire avec les prostituées, des délinquants. Frère, c'est un choix. Choisis qui tu vas servir. Ta décision dépend de ta destinée. Ta décision dépend de ta bénédiction. La décision que tu vas prendre là dépend aussi de ta bénédiction. Si tu penses que tu dois plus décider et que tu dois continuer dans cette mauvaise vie, mes frères, tu ne seras pas béni. Mais si tu décides de marcher avec Dieu et de faire la volonté de Dieu, Dieu t'élèvera. Dieu bénit ceux qui sont prêts à marcher selon lui et te donnera l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint t'éclairera dans beaucoup de choses et donnera cette capacité d'avoir le don, n'est-ce pas, et d'avoir le discernement des opportunités. Il t'attirera des vraies choses vers toi. Que Dieu nous fortifie. C'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit en eux, qu'ils sont toujours tristes. N'ont pas le Saint-Esprit en eux, qu'ils échouent dans les choses. N'ont pas le Saint-Esprit en eux, que quand ils entreprennent les choses, ça échoue. Moi, avant de commencer une affaire, je dois être convaincu que cette personne est vraiment appelée à être avec moi dans cette affaire. Ce n'est pas question d'amitié ou parents. Non. Est-ce que vraiment c'est la personne qu'il faut? Et ça, c'est très important. Frère, les gens vont se mettre en colère. Mais frère, si tu ne marches pas avec la personne qu'il faudra, alors ça ne pourra pas marcher. Que Dieu nous aide, frère. Il te faut le Saint-Esprit. Voilà, donc, tout à l'heure, changez la photo de votre profil. Voilà, il y a la photo du programme de Paris. Changez directement la photo de votre profil. C'est aussi annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, changez ça, c'est ça, sous l'obéissance. Ceux qui n'ont pas encore fait, faites ça. La photo est là, la photo du profil est là. La photo là, le flyer du programme de Paris. On l'a déjà mis tout à l'heure en ligne là. Changer tous ceux qui sont enfants, tous ceux qui aimeraient lutter parce que contre les œuvres de la sorcellerie, c'est un acte prophétique, ceux qui aimeraient être visités par le Saint-Esprit parce que c'est l'obéissance aussi. Changez vos photos de profil maintenant jusqu'à ce qu'on finisse le programme de Paris. Mettez le flyer là, si la votre profil de profil. C'est une manière de votre profil Facebook, c'est une manière d'annoncer aussi l'évangile de Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, changez votre photo, mettez les flyers. Mettez ça. Je tenais aussi à dire quelque chose de très important. Ça fait 2 ou 3 jours, on m'annonce des choses bizarres. Je vais parler du frère du pasteur Serge, qui est maintenant qu'un frère Serge. C'est un élément très, très nuisible au ministère. Ce frère, c'est l'un de mes fils spirituels. J'en ai beaucoup. Ils sont devenus pasteurs que j'ai aidés, j'ai encadré. Depuis 2007, le Seigneur a permis que ce frère, n'est-ce pas, se convertisse au travers de mes mains. Je l'ai baptisé. Il a reçu son appel et ce frère, je l'ai envoyé dans la foi. Je l'enseignais et tout ça. D'abord, le pasteur Philippe est venu après. Voilà, les Joël sont venus après. J'en ai beaucoup d'enfants spirituels qui sont dans beaucoup de pays et dans d'autres ministères. Et donc, il a voulu servir Dieu dans le ministère. On a commencé les choses de Dieu et chaque fois, on lui donne des conseils. Mais ce frère, il ne change pas. À plusieurs reprises, je l'ai même mis sous discipline. Je l'ai même écarté du ministère. Alors, à un moment donné, je l'ai même renvoyé du ministère. Et on a eu pitié lors du Saint-Esprit pour le ramener, pour lui donner une dernière chance. Ce frère-là, qu'aujourd'hui, que je regrette, voilà, je ne regrette pas parce que, frère, il faut apprendre à prendre des décisions. Les gens qui ne sont pas prêts pour le royaume, il faut les laisser tomber. Un frère qui ne veut pas avancer
Il faut le laisser tomber. Nous ne sommes pas là pour jouer dans le royaume. Les fils du royaume doivent être des fils du royaume. Si un enfant il veut servir Satan, il n'a qu'à quitter de nos ministères. Ce frère, je l'ai chassé du ministère. Pourquoi? Parce que ce frère, les huiles de l'onction, il les vendait aux gens. Il faisait ça aux gens. Il demandait l'argent aux gens. Chaque fois, c'était lui qui était dans les scandales, et des scandales, je l'interpellais. Deux jours, là, je l'ai chassé du ministère. Parce qu'il devenait dangereux pour le ministère. Mais il continue de demander de l'argent aux gens. Il continue de les arnaquer aux gens. Si le frère Serge, qui était pasteur, maintenant n'est plus pasteur, voilà, n'est plus pasteur, parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour vous parler, sur le travail de moi, vous l'avez connu, ce frère, il n'est plus pasteur. Si vous demandez de l'argent sur Facebook, faites-moi connaître ça, savoir ça. Parce que ce frère, il est devenu un agent du diable. Il était pasteur avant, mais Serge, il est devenu un agent du diable. Ce frère, j'ai tout fait. J'étais prêt à le produire, à l'envoyer dans le studio. Envoyer dans le studio pour le produire. J'ai fini, c'est lui qui devait produire. Mais dans le secret, il faisait des choses. Je l'envoyais chez moi, à Abidjan. Je l'ai fait asseoir pour lui parler de son avenir dans le ministère. Pour lui dire, voici le studio. Mais frère, quand quelqu'un ne veut pas évoluer, il faut le laisser. Mais c'est moi, c'est le nom du ministère. Voilà, il y a eu quelqu'un qui dit qu'il a payé, j'ai payé. Voilà, donc, vous voyez, donc, ce frère-là, évitez-le. Ce frère-là, évitez-le. Parce que ce frère Serge, il entend de faire des dégâts. Bien qu'on l'a chassé du ministère, il fait des dégâts énormes. Interpellez-le. Voilà. C'est dommage que ce frère soit devenu enfant agent du diable. C'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, là, c'est moi qui prends sa fille en charge. Je les paye. Ils sont payés par moi. Ils sont nourris. Le pasteur était payé par moi. Il ne payait ni l'eau, ni courant, ni nourriture. Sa fille est actuellement au centre, à la fondation. J'ai pris sa fille en charge pour l'annuler cette charge de pasteur, de prendre la prise en charge de sa fille. Mais aujourd'hui, il nous a déçus. Sa fille est là-bas, on continue de payer la scolarité. Ni saint frère l'a enlevé. C'est moi qui paye la scolarité de sa fille. Je paye la scolarité de sa fille. Mais il ne veut pas changer le frère. Bien que je l'ai chassé du ministère, il continue de faire sa sale besoin. Il continue d'anarquer les gens. Mais qu'est-ce qu'il veut réellement? C'est-à-dire qu'il veut tenir l'image du ministère, ce frère. Il est un danger. Le frère Serge est un danger. D'abord, c'est Serge. Je peux pas, c'est plus mon frère. Il n'est même plus un frère en Christ. C'est un fils des démons. Je l'aime plus que vous tous. Parce que je suis vraiment. Ça a beaucoup de regrets qui sont en train de parler. Quand quelqu'un ne veut pas changer, il faut le mettre en dehors du ministère. Parce que le ministère ne joue pas avec ça. Donc je tenais vraiment à dire ça. Ce frère, le jour, ce Serge-là, le jour où il demande l'argent, celui qui donne 5 francs, il est maudit. Parce que c'est un enfant qui est maudit. C'est un fils, malheureusement, c'est un fils du diable. Malheureusement, c'est un fils du diable. Parce qu'un enfant qui a l'esprit de Dieu, qu'on parle, il comprend. Pendant des années, nous avons parlé à ce frère. Vous ne pouvez pas comprendre plus de 6 ans en train de parler à ce frère. Plus de 6 ans en train de parler à ce frère. Mais continue. Bien qu'on l'a chassé du ministère, il continue de faire cette sale bégueule. Voilà donc, frère, vous êtes déjà averti. Voilà, que du Seigneur vous bénisse. C'est comme ça. Le jour où quelqu'un n'est plus prêt à marcher avec le Christ, on l'interpelle plusieurs fois, on le considère comme un païen. On le considère comme un païen. Ce frère, je le considère comme un agent du diable. Voilà, je l'ai déjà dit, je le considère comme un agent du diable. Voilà. Aujourd'hui, il rentre ici pour aller draguer les filles sur Facebook, il rentre ici. Il a fait plein de choses que je n'ose même pas dire. Mais c'est vous, en dehors des minutes, il fait beaucoup de vilaines choses. Voilà donc. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà donc, changez la photo de votre profil. Voilà, rapidement, par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis là où vous êtes. Nous allons essayer de prier par la grâce de Dieu. Lève ta main comme ça là où tu es dans ton salon, peut-être dans ton lit. Lève ta main, frère. Je prie que le Saint-Esprit, Seigneur, descende ton esprit. Oui, Seigneur, tu as dit cette promesse est pour nous. Seigneur, cette promesse est pour tout le monde, Seigneur. Nous prions que ton esprit vienne visiter ces bien-aimés.
Nous prions que la puissance de ton esprit visite ces bien-aimés. Nous prions de remplir ces bien-aimés du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit de feu, afin que nous puissions propager ta parole, afin que nous soyons témoins. Aide-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Répands ton esprit sur nous. Donne-nous de comprendre des choses. Anime-nous, Seigneur. Le Saint-Esprit vient, la puissance de Dieu, là où tu es dans ton salon. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. La main de Dieu te visite là où tu es. Dieu te remplit de ton esprit. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous allons continuer le message d'ici 2 jours encore. Nous allons rester dans cet esprit d'enseignement sur le Saint-Esprit. Je tenais à dire, changer la photo de ton profil. Voilà, donc le flyer est là, vous changez immédiatement. Je tenais à dire aux Bordelais, nous arrivons à Bordeaux demain. Demain, je serai à Bordeaux. Demain, mercredi soir, je serai à Bordeaux. Mercredi, jeudi, vendredi. Moi, je rentre sur Paris samedi. Voilà, donc pour les gens qui ont besoin de nous dans les familles, voilà, vous appelez juste le numéro juste en haut de la vidéo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Suis-en doté et sois béni. Il faut changer la photo de ton profil là. Changez ça immédiatement. Le flyer, changez immédiatement. Nous avons commencé le ministère. Ça a démarré. Le service de Dieu a démarré. Nous allons travailler. Il faut que nous parlons de Jésus-Christ. Il faut que nous parlons de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Cette tiédeur, cette lenteur. On est ni chaud ni froid. On ne sent pas notre chrétienté. On ne sent pas en nous qu'on est chrétien. On ne sent même pas en nous qu'on est qu'un enfant de Dieu. On a peur de parler. La vie chrétienne est bizarre. Ouais, on est bizarre, mais on aime causer des conneries, s'emparer du Saint-Esprit, des choses à nous. Non, il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Je suis là pour ça. Oui, parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'aider chaque enfant. Oui, dans chaque enfant. C'est très important. C'est pour ça que j'ai venu à Paris avant le programme. Je rendrai visite à tous les enfants spirituels. Priez pour eux. Il faut que vos conditions changent. Je serai en Italie 2 jours en vent pour prier pour le comité. En Suisse, 2 jours en vent, prier pour le comité. En Allemagne, 2 jours en vent, prier pour le comité. Voilà, en Belgique, pareillement, pour que les gens soient bénis. Pour que les gens soient bénis. Frère, éloigne-toi de tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Voilà, éloigne-toi de tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, frère, et que tu obéis à la puissance de Dieu, tu verras Dieu t'élever. Shalom, sois béni. Bonne nuit à vous, que le Seigneur vous protège.